Jean-Marie Baudin, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marie Baudin, on est là pour parler du second tour des élections municipales, second tour un petit peu particulier. Vous êtes arrivé en première position avec 28,76% au premier tour, un second tour qui va forcément être un petit peu différent dû au Covid-19. Comment vous envisagez la stratégie pour aller chercher les électeurs et puis pour aller chercher ces abstentionnistes qui étaient, si ma mémoire est bonne, un petit peu plus de 50% au premier tour? Tout à fait. On ne va pas réinventer la roue. On va continuer à aller voir les commerçants, on va continuer à aller voir les marandais dans les rues comme on le fait d'habitude. Vous le savez, on a mis en place un Facebook, un live Facebook tous les jeudis soirs à partir de 19h, donc jusqu'au dernier jeudi de la campagne, on va le tenir, avec questions-réponses avec la population. Et puis une chose qui n'a pas été envisagée et qui peut être envisageable pour ramener ces abstentionnistes, ce serait peut-être de faire un débat avec les trois têtes de liste autour des sujets principaux et des programmes. Un débat? Oui. Ça serait original, ça, à Marand, je crois que ça serait peut-être même une première. Ça serait une première, mais ça serait très formateur. Alors justement, il n'y a plus que trois listes, puisque deux listes ont fusionné, la liste de Morissette Mingot et d'Olivier Martin. Vous voyez ça comment? Est-ce que vous vous dites c'est une épine dans le pied de votre propre liste et une difficulté supplémentaire, ou vous dites non, là c'est un coup juste pour être devant? Alors pour moi c'est une fusion d'opportunités, simplement. Dans une campagne normale, ils avaient 2 jours pour fusionner, là ils ont mis 2 mois et demi à fusionner. On entend que leur programme n'est pas finalisé, bon bref. La fusion, non, c'est pas une épine dans le pied, puisque les gens qui ont voté pour l'un ou pour l'autre, donc, voilà, on fait un choix au premier tour. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces gens vont être amenés à travailler ensemble sur les 6 ans, s'ils sont élus. Des gens qui se sont opposés, battus sur des politiques diamétralement opposées pendant 6 ans. Que ce soit le pont de Pierre, qui a divisé quand même la population. D'un côté, Morissette Mingot était pour, de l'autre côté, Michel Métru était contre. Que ce soit le poulailler municipal, ou que ce soit encore la base nautique qui a occupé quand même pas mal le début du mandat, ce sont des gens qui sont vraiment opposés. Donc j'ai du mal à entendre que demain ils soient en capacité de fusionner complètement sur un même programme. Donc vous, par contre, vous repartez avec la même équipe? Ça, même équipe, oui. Est-ce que votre programme a évolué? Est-ce que ces 2 mois de confinement et de déconfinement, voire bientôt 3 mois avec le déconfinement, ont fait évoluer un petit peu les choses par rapport à votre programme de départ? Voilà. Notre programme, pour autant, il n'a pas changé, mais il y a des priorités qui se sont installées avec la crise sanitaire. Demain, il va falloir envisager l'ouverture des écoles. Si rien ne change d'ici le mois de septembre, il va falloir repenser l'école. On a fait le constat qu'il manquait de Wi-Fi dans les écoles, on a fait le constat qu'on manquait d'espace pour accueillir les enfants, donc tout ça, ça va être à repenser avec l'école. Et puis, il y a aussi la réouverture des associations. On a 83 associations sur la ville de Marand, il faut repenser l'ouverture des associations. Il faut absolument que tout le monde puisse fonctionner dès septembre au mieux. La campagne va être un petit peu particulière, pas de réunion publique, ça va être difficile, pas de serrage de main sur les marchés. Comment vous allez faire stratégiquement? Comment vous allez aller voir les électeurs? Comme je vous disais tout à l'heure, on va continuer à battre le pavé, et puis si le tractage nous est autorisé, on ira faire du boitage, voilà, et puis on va continuer à être ce qu'on est, hein, simplement. Alors, une petite piqûre de rappel, vous pouvez nous rappeler un petit peu, on va dire, les 3-4 points très importants de votre programme et éventuellement ce que vous allez mettre en place dès votre accession à la mairie, si vous y parvenez. Alors, un point phare, c'est l'ORT, hein, la nouvelle organisation, l'opération de revitalisation du territoire, donc qui va là tout reprendre, hein, en fin de compte, le côté écologique, le côté tourisme, le côté commerce, le côté vie agréable dans la ville, puisqu'il n'est pas question de faire un point vert par-ci, par-là. Non, il faut vraiment reverdir la ville. Pendant 6 ans, elle a été bétonnée par des parkings. Aujourd'hui, il faut redonner de l'espace et de l'air à cette ville. Il faut faire revenir les touristes, il faut ouvrir les commerces et arrêter de les envoyer au cimetière, au propre comme au figuré. Donc voilà, il faut vraiment... Ça sera le point phare. Et puis, il y a des points qu'il ne faut pas oublier, que ce soit la déviation de Marand, mais ça fera partie aussi de l'ORT, la rue d'Aligre et ainsi de suite, voilà. C'est le point le plus important? Le point le plus important, c'est redonner à la vie, à la ville, de la vie. Et puis, deuxième point qui n'est pas accessoire, c'est certes, j'ai bien entendu que le pont, la réfection du pont verrait le jour, pour ce qui est de la chaussée, parce que pour ce qui est de notre liste, toucher au parapet, c'est interdit.
Comment vous allez-vous y opposer si le projet est acté, a été voté, etc. Un conseil municipal existant demain, 27 élus municipaux donneront leur avis sur la réfection des parapets ou pas. Donc vous êtes confiant, j'imagine? Tout à fait. Mais comment vous allez aller chercher d'autres voies? Parce que face à une liste, enfin deux listes qui ont fusionné, face à Thierry Bellage qui lui ne bouge pas, et à un moment donné on se disait est-ce qu'il y va au second tour? Oui. Il y va vraiment, il l'a annoncé il y a peu de temps. Comment vous allez aller chercher ces voies-là? Écoutez, moi je pense que c'est les voies de la raison qui vont sortir demain. Si les Marandais font d'autres choix que notre liste, ça veut dire simplement soit ils enterrent une politique qui a duré pendant 6 ans, soit ils mettent en place des gens qui ont été en conflit pendant 6 ans. Donc il va falloir que les gens se réfléchissent et posent les choses. Voilà. C'est pas, on arrive à cette situation pas par hasard. Et il y a quelques temps, le maire a fait les frais d'un dernier conseil municipal où on lui a retiré des délégations. C'était pas le fruit du hasard non plus, c'est pas la victime dans l'affaire. Il arrivait, après avoir débarqué, 4 adjoints. On a quand même connu 2 démissions de premier adjoint dans ce mandat, plus une autre démission d'un autre adjoint. Ça fait énormément de choses. Je pense qu'il faut que les gens se posent et que, raison gardée, il faut voir que demain, la meilleure des listes, qui sait travailler avec la communauté de communes, qui sait travailler avec la région, qui sait travailler avec le département, c'est la nôtre. Merci Jean-Marie Baudin. Merci.